Jonas Berthoud, malheureusement, une défaite ce soir contre Holten après la victoire de ce week-end. On a vu un bon match et un bon HC Sierre. Dans le deuxième tiers, vous avez eu beaucoup d'occasions et ben, vous avez pris le 2-1 juste après le temps mort. Est-ce que ce petit moment après le temps mort, ça vous a coupé les jambes pour la suite du deuxième tiers? Ouais, je pense qu'on n'a pas bien réagi après le temps mort. C'est clair qu'on s'attendait à ce qu'ils viennent de nouveau très fort. Parce qu'ils prennent, s'ils prennent un temps mort, c'est pas pour rien. On n'a pas été attentif. Et on a pris ce 2-1, 3-1 qui nous font mal. Et puis voilà. En fin de match, on a vu qu'il y avait eu des bonnes occasions pour Sierre. Notamment dans la dernière minute de jeu. Qu'est-ce qui a manqué pour revenir dans ce match, hormis la finition? C'est compliqué de dire hormis la finition. On les a bien retenus en zone neutre. C'est un peu en zone défensive où on se laissait un peu tourner autour, mais on a corrigé ça. Et au final, ça a été, et comme tu dis, il manque de l'efficacité devant les goals de l'autre côté. Tu avais déjà marqué la saison passée à Chaudefonds, mais là, c'est ton premier but à Graben. Comment t'as ressenti ce goal, malgré qu'il y a une défaite au bout, mais sur le moment, c'était un goal important? Ouais, c'est clair, sur le moment, c'est un goal important. On revient 1-1 dans le match. Ouais, c'est toujours cool de marquer devant ses supporters. Et puis, ouais, j'avais du plaisir à ce moment-là. Merci beaucoup, Jonas. Bonne chance pour le prochain match. Et on espère qu'il y aura encore beaucoup d'autres goals cette saison. Merci.